Allô, mon nom c'est Nicolas, j'ai 30 ans. Je suis sur le spectre de l'autisme et on va aller rencontrer d'autres gens sur le spectre de l'autisme durant la pandémie. On a-tu le droit d'aller voir du monde? Ouais, les règlements n'étaient pas assez spécifiques, ils Mais étaient au tout vraiment début, oui, vagues. le premier mois, c'était plus facile pour moi quand le ministre, M. Legault, avait imposé aucun rassemblement. Tout le monde restait à la maison. Ça sauve des vies. Ouais. Est-ce que tu as pu prendre des marches dehors? Oui. Ouais. Au début, j'avais peur de la police. T'as peur de la police Que pour la avoir une police amende? me pogne dans le quartier parce que j'étais censée être à la maison quand c'était resté chez vous. Je n'ai jamais conduit, je ne veux pas conduire. J'ai jamais pensé à vouloir le faire. Moi, je m'imagine pas en train de prendre le métro puis l'autobus partout. Je veux trop être en contrôle de qu'est-ce qui se passe. Moi, qui est autiste et qui est rigide, j'ai un copain aussi qui est autiste et aussi rigide. On ne se voit pas vivre ensemble tout le temps Non. parce que ça va faire de la chicane. Mais un exemple comme. Mais qu'on a souvent besoin de notre espace. OK. Et vivre avec quelqu'un quand la personne a besoin de son espace, des fois, quand la personne elle te le démontre trop, pour l'autre, ça peut être fatigant. Comme des fois, si je serais mariée puis j'habiterais avec François-Patrick. Là, tu sautes à mariage. On Non, parlait mais. d'habiter OK, ensemble avant. mais chez les chrétiens, t'as pas le droit d'habiter avec quelqu'un tant aussi longtemps que t'es pas marié. Ah, ben là, ça complique les choses. Oui. Dans mon expérience, je pense que c'est important d'habiter avec les personnes pour savoir si tu penses être capable de vivre avec les personnes. Je pense pas que je vais marier quelqu'un juste pour savoir si je peux vivre avec elle. Je pense que je préfère savoir d'avance, après ça, décider si je vais le marier ou non. Mais je reconnais qu'il y a un aspect religion. Puis là, avec la pandémie, j'imagine que tu vois moins ton copain. Ça fait presque 5 mois que je ne l'ai pas vu. Ça fait 5 mois que t'as pas vu ton Oui, copain. Tu trouves ça difficile? oui. Oh my God, ouais, c'est difficile. Très. Mais on se parle souvent en appel vidéo. Est-ce que tu travailles quand même maintenant avec la Non, pandémie? Non, ça a arrêté. malheureusement, oui, ça l'a arrêté. Puis tu faisais ça 5 jours sur 7, fait que là tu fais quoi chez Faire ton des temps libre? bracelets, lire, dessiner, je me repose. J'ai souvent des zooms avec le travail 2 fois, 2 après-midi par semaine. Quel type de création tu préfères ou aimes-tu faire? J'aime beaucoup faire la création de bijoux. De bijoux. Oui. Est-ce que tu fais ça encore ça Et maintenant? oui, je fais ça pour le plaisir dans mes passe-temps. Oui. C'est sûr qu'il y a eu des bouts que j'étais plus motivée, d'autres que j'avais moins de motivation, dépendamment de l'énergie que j'avais. Des fois, à force d'être trop à la maison, ça démotivait. Ah oui. Puis avant, tu faisais ça avec des amis, là tu fais ça seul. Et oui, ça exprime mes émotions et aussi ça travaille la dextérité manuelle. Si j'avais un message à donner à M. Legault, ça serait que les gens fassent plus attention. Parce qu'il y a des gens vulnérables qui ont des besoins particuliers, qui veulent retrouver leur vie d'avant et que c'est pas facile pour eux.